D'abord, cher ami, ce n'est pas mon projet. Donc, je m'écarte, ça, ce n'est pas mon projet. Je vous fais participer à ce qui se fait dans le monde, chez les Européens, chez les Américains, chez les Japonais, en un mot, chez les Blancs. Dans cette peinture
où il y a d'un côté Dieu, de l'autre côté l'homme, donc Adam, ça peut provoquer énormément de problèmes au 16e siècle. On lui a, le pape lui a dit de pouvoir revenir sur ça parce que pour lui, la création ne se discute pas. Et on n'a pas à visualiser ce qui était fait parce que la Bible suffisait. Et là, on peut hésiter, il a accepté pour éviter que les choses se développent. Donc, au 16e siècle, nous avons suivi l'humanisme. Et à travers cet humanisme, aujourd'hui, au 20e, 21e siècle, il y a comme sortie de l'humanisme pour entrer dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la sortie de l'humanisme pour devenir où? Et c'est ça le sens de notre conférence. Je commence par une petite introduction, ensuite nous verrons le sujet lui-même, suivra le débat avant de conclure. Donc je conclurai après le débat, mais je vais aller assez rapidement. Les deux index qui se pointent l'un dans l'autre, c'est les débuts de l'humanisme. C'était au 16e siècle. Et il y a un dessin animé qu'on connaît sous la forme de Pinocchio. Pinocchio, c'était qui? C'est quelqu'un, fiction, qui venait de Pegito, un certain Pegito, qui est le père de Pinocchio. Et à un moment donné, Pegito, le père de Pinocchio, est malade. Pinocchio s'en va maintenant pour chercher le remède pour pouvoir, il dit, le remède pour pouvoir guérir son père. Il trouve une femme qui lui donne ce qu'il croyait être le médicament qui pouvait sauver son père, mais dès que le père a pris ça, il est devenu un pantin de bois. Donc vous voyez déjà le problème se poser à ce niveau-là. Le fait de pouvoir prendre un médicament, ça change la personnalité et il devient un pantin de bois. Il revient et il redemande à Adam qui a donné ça, mais donc, je veux que mon père reprenne sa forme humaine. Eh bien, il lui donne encore un autre, et quand il part, quand il n'occupe pas, il devient aussi pantin de bois. Nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'on nous propose d'être des pantins de bois, des pantins des machines, commandés par d'autres faiseurs de miracles. Et c'est ça qu'on appelle les transhumanistes. Les transhumanistes, c'est des personnalités qui viennent, des personnalités scientifiques, vraiment scientifiques, haut de gamme, financées par Google notamment, et par Microsoft. Ils sont à Silicon Valley, pas seulement là. Vous avez un jeune transhumaniste, millionnaire, plusieurs choses, mais il a beaucoup d'argent, il s'appelle Hitchcock. C'est un russe. Pour lui, en 2045, c'est la naissance de la création nouvelle qui va sortir de l'humanisme pour devenir homme-machine. Ce rêve que les gardes savaient, qui parlait de l'homme-machine, voyez, voilà. Et que Wiener a transformé ça dans ce qu'on appelle la cybernétique. Donc le rêve de pouvoir évoluer, ça a commencé par toutes sortes d'inventions, que ce soit des inventions imaginées, que ce soit des inventions médicales, et aujourd'hui des inventions robotiques. Donc ceux qui vont peupler, suivant les transhumanistes, le monde, qui va remplacer le monde,
ce sera des jeunes qui ne sont plus hommes, mais qui sont des machines. Ce n'est plus un projet, parce qu'il est encore en cours de réalisation aujourd'hui. Vous avez par exemple des médicaments pour rendre l'homme immortel, il y a des médicaments. Ces médicaments, permettez-moi de me lever, ces médicaments, c'est ce que nous savons, parce que si vous avez une cataracte, vous allez voir un ophtalmo, il va vous opérer en une dizaine de minutes, il va vous donner des implants. Et ce sont ces implants qui corrigent la vue. Et de plus en plus, médicalement, on remplace des organes fatigués par d'autres organes créés par la machine. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, des gens qui ont de l'argent, ils peuvent se créer des avatars. C'est-à-dire, tel peut se créer son avatar qui s'appelle un robot, mais qui a le nom de celui qu'il a créé, le jeune homme dont je vous parlais, Hitchcock. Il a, jeune monsieur, c'est pas un jeune homme. Il a son avatar qui lui a coûté 200 000 euros. Donc, dans l'avenir, seront immortels ceux qui auront la capacité de pouvoir se payer des avatars qui pourront survivre, leur survivre après la mort physique. Mais ils ne sont pas morts parce qu'on aura pompé tout ce qu'il a comme le psychisme et mettre dans la machine. Et ce sont ces machines qui deviennent les premiers habitants de monde qu'on place aux environs 2045. Donc ce sera des robots. Donc si vous êtes intéressé par ce projet, vous aurez votre hologramme, si vous voulez, votre robot, votre vous-même, les machines. C'est qu'il y a des différences. Il y a une différence entre la médecine curative et la médecine robotique, si je peux parler ainsi, c'est que la machine médicale finit par montrer vraiment ses limites. On vieillit et on meurt. La machine robotique reste éternelle. Ainsi, en juillet 2015, que la revue appelle un projet fou, mais je ne sais pas en quoi il est fou, de pouvoir être tous éternels. Mais le problème de savoir, on sera éternel dans la mesure où on est riche. Alors, l'éternité, ça devient, est-ce que ça vient ce que moi-même je fais avec mon Créateur, ou est-ce que l'éternité, c'est ce que je fais parce que je suis riche? On en est là. Alors, je voulais vous parler de cela pour qu'on puisse entrer dans des questions, parce que c'est d'actualité. C'est d'actualité. On en parle partout. Partout, vous avez des gens qui font marcher ceux qui ne pouvaient pas marcher. Vous voyez bien, il y a un sportif en Afrique du Sud qui a tué sa petite amie, mais il marche avec une jambe artificielle. Mais il y a des opérations qui se font actuellement, notamment en Angleterre, en Suisse parfois, à Grenoble en France, où une main coupée, on peut vous corriger la main. C'est bien, c'est bien. Et il paraît que même les vieillards, la vieillesse c'est une maladie. Il faut donc enlever tout ce qu'il y a comme source de maladie et rendre l'homme responsable de lui-même. Et ça, le projet des transhumanistes. Les transhumanistes ne sont pas des gens qu'on ne connaît pas, on les connaît. On sait très bien ce qu'ils font aujourd'hui. Et le projet est en train de se réaliser avec comme objectif tuer la mort. Il faut tuer la mort.
Et ça, c'est prévu pour... Je ne sais pas s'ils se trompent ou s'ils sont... Ça fera l'objet de notre débat ici. On tue la mort à partir de 2045. On entre dans l'ère de transhumanité. Voilà ce que j'ai à vous dire, mais j'attends de vous beaucoup de contributions, c'est-à-dire des questions à poser, parce que ce n'est pas sans quelques craintes, quelques peurs pour ceux qui n'ont pas la joie de pouvoir devenir vraiment de robots transhumanistes. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur du comité de gestion, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général académique, monsieur le directeur de CERUPEN, ce que j'avais à lancer comme introduction du sujet sur le transhumanisme. Je vous remercie. Merci, monsieur le conférencier. Le transhumanisme, c'est un terme truculent et il est assez difficile de le décortiquer. Vous avez donné plusieurs illustrations, notamment la dernière sur l'athlète Pistorius, sud-africain, qui était une icône de l'athlétisme sud-africain et qui, finalement, a déversé dans ce qu'on peut appeler un acte criminel et qui lui a coûté justement ce jugement. Alors j'espère que dans l'Assemblée, dans l'auditoire, il y a des gens qui sont très intéressés sur le sujet et qui peuvent intervenir pour soit des questions, soit des appréciations ou encore des inquiétudes à suggérer. Je donnerai la parole d'abord à trois intervenants. Kanga, professeur au département de sciences historiques et de philosophie et lettres africaines. Et animateur principal. Animateur de l'UR40. Intitulé Philosophie et valeur de l'homme. Monsieur le professeur, j'ai été très intéressé par votre approche relative au transhumanisme. Alors, j'aurais souhaité, pour nous aider à comprendre le transhumanisme, j'aurais souhaité que vous puissiez nous définir l'homme et ensuite l'homme transhumain et lorsque ce transhumain aura vu le jour, quel problème aura-t-il à résoudre? Et je pense aussi à notre Afrique qui peine à maîtriser la modernité. Alors, que seront les Africains lorsque l'heure viendra? C'est-à-dire 2045, où tout le monde se transformera en transhumain, et que deviendra l'Afrique en ce moment-là? Je vous remercie. Oui, c'est le chercheur international, c'est les savants Idi Malou que vous suivez dans le monde entier. Professeur, j'ai aimé l'apologétisme, c'est pas une apogée, mais ma première question, elle est due, compte tenu, vous commencerez par l'herméneutique ou bien l'héristique pour que les Congolais, surtout les Kinshasa, autour des sports,
puisse avoir l'amabilité de s'adapter à cet attrait. Ça, c'est le premier questionnement. La seconde question, elle est plus philosophique. Est-ce que vous allez commencer à démontrer un sens de la physionomie, de la physiologie, pour que l'essence de la parologie, parce que ça fait part aussi des rollers nucléaires, ce que vous êtes en train d'invoquer, pour que le monde puisse s'adapter compte tenu de ses attraits sportifs et s'adapter à tuer la mort que vous êtes en train de susciter là-dessus. Je vous en prie. Venez, Vidus. Merci beaucoup pour la parole. C'est l'assistant Babouele Kanongo, assistant deuxième mandat au centre de recherche. Ma préoccupation, je voulais savoir si vous pouvez nous faire un parallélisme. Parallélisme, quand je parle de parallélisme, vous pouvez nous dire les points communs, les points de divergence et les points spécifiques en ce qui concerne la création de l'homme. J'ai pris trois points. La création selon Dieu, que nous trouvons dans la Bible. Et puis la création selon l'évolutionnisme, donc l'évolution de l'homme. Et la création selon votre projet qui dit la méthode de transhumanisme. Merci beaucoup. Merci. Quatrième. Bon. En tout cas, merci d'abord pour l'occasion que j'ai de poser ma question qui sera formulée sous forme d'une certaine problématique. Bon, d'abord, je remercie les professeurs pour l'opportunité. Oui, je suis l'assistant Ngongo Pondamadi de l'UR 91, l'Observatoire des sciences politiques. Bon, ma question je me suis fié à trois auteurs, à trois pensées des auteurs. La première pensée, d'abord, c'est la pensée de Thomas Kanza, qui disait que le monde s'avance à grands pas vers l'humanisme déshumanisé et vers l'humanisme industrialisé. Ça, c'est d'abord la première pensée pour en arriver à ma question. La deuxième pensée, c'est la pensée de Mabika Kalanda. Lui, il disait que la société africaine est présente un monde de la solidarité clanique, tandis que l'Occident, c'est le calcul, c'est une société du calcul et de l'intérêt. Et pour finir, je vais parler de Malanda Dem. Malanda Dem, pour lui, il a écrit un livre sur la mentalité scientifique et sur la mentalité africaine. Et la mentalité scientifique, mentalité africaine. C'est-à-dire, l'auteur voulait un peu montrer comment l'occidental réfléchissait et comment l'africain réfléchissait. Et qu'il avait nécessité de marier ces deux états des choses. Alors, professeur, pour finir, je vais maintenant poser ma question par rapport à ces trois pensées. Ne trouvez-vous pas, depuis longtemps, il y a eu des penseurs qui ont déjà alarmé sur cet état de fait de l'industrialisation dans la vie de l'homme, sur cette façon-là où il fallait transformer l'homme. C'est parce que c'est déjà un mouvement du transhumanisme, d'après vos explications. Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, avec l'avancée qu'a fait l'occidental, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que les gens aujourd'hui se réveillent pour se ressourcer dans la société noire, ancienne, traditionnelle, pour essayer de repousser des valeurs qui peuvent permettre à l'homme de se maintenir? Donc voilà ma question qui s'est formée sous forme de problématique. Je vous remercie. Merci, ça sent le Bundudia Congo, l'église des Noirs, là. Alors, le conférencier va réagir. J'ai des inquiétudes pour la deuxième question, ou la troisième, le savant international. J'ai l'impression que c'était pas tout à fait dans le sujet. Peut-être qu'on vous rappellera pour des précisions. Merci pour votre contribution. Je vais donner la réponse au professeur Matukanga. L'Afrique dans tout cela. Oui, l'Afrique. Mais l'Afrique, dans tout cela, c'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est à nous de repenser ce que d'autres ont pensé, mais en général, nous entrons dans les sillages de ce qu'ils ont pensé et nous nous approprions, nous les suivons, voilà. Nous sommes des suiveurs des autres. Moi, ça m'a toujours paru assez paradoxal que, ici, je suis devant mes compatriotes, et je parle une langue étrangère.
Quand je suis avec mes collègues en Europe, je suis obligé de parler la même langue. Il en est de même pour les inventions. L'Afrique dans tout cela, moi j'ai l'impression que, vous allez me démentir, que nous sommes des suiveurs mais n'avons pas beaucoup de curiosité. J'arrive maintenant à la question que le dernier intervenant, le chercheur, pose la question là-dessus. Il a commencé à citer d'après tel, et ce tel-là, c'est toujours, il vient toujours d'ailleurs. La civilisation africaine, j'aime bien qu'on se ressource par rapport à la civilisation africaine, mais laquelle? Laquelle? L'intuition, ou comme disait l'autre, l'intelligence, la raison est hélène. Mais l'émotion est nègre. Est-ce que les autres vont se ressourcer à l'émotion parce qu'ils ont déjà leur émotion? Donc ces questions-là, c'est à la lisière de ce que je viens d'expliquer. Nous n'entrons pas dans le fond du sujet là. Quand vous me parlez d'une éventuelle contribution ou ressourcement de ceux qui sont dans la société industrielle par rapport à la société, la nôtre, je ne sais pas comment vous l'appelez, notre société, est-ce qu'elle est industrielle, est-ce qu'elle n'est pas industrielle, est-ce qu'elle est électronique, j'allais dire, mais par le fait que nous suivons, nous avons toujours ça, je vais vous montrer ça. Nous avons toujours ça. Celui qui n'a pas ça, il est comme perdu. C'est nous qui nous ressourçons par rapport à ça, ou est-ce que c'est les autres qui vont se ressourcer par rapport à ce qui n'est pas et qui n'existe que par le mot? Civilisation africaine, je ne sais pas, culture africaine, ça existe, le mot. Mais je ne sens pas, je ne le vois pas. Peut-être qu'il faut demander à nos musiciens, les jeunes musiciens ici, parce qu'ils savent au moins adapter leur langue, notre langue, par rapport à une guitare que nous n'avons pas fabriquée, mais qui vient toujours d'ailleurs, et donner à cette guitare une mélodie en langue africaine. Peut-être. Mais ça, c'est une question que je pose, mais je ne sais pas vous répondre, parce que je ne sais pas de quelle civilisation africaine il s'agit. Je crois que tout cela, ça résume. Et pour la deuxième question, effectivement, d'abord, je n'ai pas compris. Je fais un effort pour comprendre, mais je n'ai pas compris, je ne sais pas où vous vouliez en venir. Pour notre Congo, pour notre Afrique, je ne sais pas, nous parlons toujours de l'Afrique, mais on ne sait pas. Nous parlons aujourd'hui de transhumanistes. Et c'est leur projet que nous sommes en train de critiquer et de comprendre en quoi ça consiste. Parce que ça existe. Vrai ou faux, inquiétant ou pas, mais ça existe. J'aimerais bien que vous me montriez ce qui existe, qui pourrait aussi galvaniser tout autour ce qu'on appelle la philosophie. Je touche à la philosophie africaine. C'est toujours le même problème, quoi. Je vais accorder la parole au directeur, mais je vous demanderai aussi d'insister sur le transhumain de 2045, vous avez dit. Là, ça serait très... Alors, merci beaucoup. Par rapport à la question du professeur Matukanga, mais vous avez dit que ça sera pour les riches. Même en Europe, ça ne sera pas à la même vitesse. C'est pour les riches. Si en Afrique, il y a des riches, s'il y a des riches en 2045 qui peuvent se procurer ces instruments-là, mais ils vont suivre. Autrement, nous allons connaître le même retard. Le retard qu'on connaît aujourd'hui sur eux, eh bien, il va se poursuivre parce qu'il faut être riche pour entrer complètement. C'est exact. C'est exact. Merci, professeur. Pour revenir à ce que je vais revenir. Pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question par rapport
à cette échéance-là, je ne peux pas dire, je ne peux pas répondre, parce que je ne peux pas présumer de ce que ça sera. Peut-être que tous, nous sommes liés à l'évolution de ce projet en train de se faire. Par contre, même dans leur milieu, suivant ce que tu dis, Fogas, c'est dans leur milieu, il y a même l'opposition ferme contre ce projet-là. Ceux qui sont contre le projet, ils disent ce que vous faites là, c'est une histoire de détruire la société. Il faut un projet de société plutôt qu'un projet individuel qui demande simplement aux riches de devenir habitants de la transhumanité. Donc il y a un groupe énorme qui est contre ça et surtout, les religieux sont contre ça. Mais seulement ils n'apportent pas ce que d'autres ont créé et ont apporté. Ils reviennent toujours à Dieu a créé l'homme, mais j'ai l'impression qu'ils ne touchent pas que Dieu lui-même a dit créons l'homme à notre image. Est-ce que cette image-là, est-ce que c'est aujourd'hui l'image transhumaniste ou est-ce une autre image? J'ai l'impression que c'est une autre image. Moi aussi, j'ai une réponse personnelle. Donc, on attaque les transhumanistes parce qu'ils sont trop libertins et il faut que ce soit un projet social. Pour ce que le professeur Mayaka vient de dire, mais nous sommes des suiveurs, c'est vrai. Ça sera toujours, même si on a de l'argent ici, je peux très bien me confiner dans un robot. C'est possible. Mais je vais en faire quoi? Ça, ce sont des questions a priori, on ne sait pas. On va voir quand on s'approche, mais est-ce qu'on va voir, on va regarder comme ça, ou on va créer l'anti-transhumanisme? C'est ça toute la question. C'est pour, l'intérêt de ça, c'est les choses sont en train de se faire. Mais regardez un peu ce que le monsieur disait en regardant son ordinateur. Mais tapez là-dessus, vous verrez une discussion immense autour de ça. Mais nous ne faisons que suivre ça. On ne peut pas y être. Nous ne savons pas comment y mettre d'une autre. C'est pour ça que j'ai dit, mais la culture africaine, je ne sais pas. Je vais bien, mais je ne la vois pas. Je ne la vois pas concrètement. Je vois ma peau africaine, oui. Merci. Peut-être une dernière intervention. Le parallélisme. Parallélisme entre la création du monde par Dieu, la théorie de l'évolution et puis le transhumanisme. Ce parallélisme-là, je viens de vous dire, c'est ceux qui sont pour Dieu, ils privilégient la société. Ceux qui sont pour la science robotique privilégient le nouveau projet. C'est ça. Mais c'est une bataille énorme. Vous avez Monsieur le professeur Matukanga, vous savez que vous vous occupez à un moment donné de l'éthique qui ne doit pas se passer de la création scientifique. C'est pas la science qui dirige tout, il y a l'éthique aussi qui peut intervenir. Le parallélisme, c'est que les autres sont derrière la Bible, les religions, etc. Ils sont là, ça existe. Mais pour revenir encore aux Africains, moi je ne sais même pas quelle est notre religion. Je ne sais plus. Quelle est la religion africaine? Je ne la connais pas. Les Africains appellent cela c'est la sorcellerie. Mais les autres sont des sorciers aussi, disent les anti-trumantistes. Ils disent non. Ça, c'est les sorciers qui ne font rien, mais la sorcellerie chez eux, ça se voit parce qu'on corrige la main, on corrige les pieds, on va corriger. Il paraît, il y a même un projet sur le nouveau cortex qui est autrement plus important que le cortex que nous avons.
on va enlever ce... Ils sont en train de tenter d'enlever ça. Ils ont commencé avec les bêtes, hein, avec les rats. Et il y a de plus en plus, notamment au Japon, j'ai l'impression que les robots qui sont au Japon et qu'on vend partout, parce qu'on a le robot maintenant même en France, là, non seulement pour servir, mais aussi pour remplacer celui qui est là pour lui apporter à manger. Le robot, la traduction du robot, ça veut dire esclave. On va entrer dans le monde de l'esclave. L'esclave qui nous a vendu, l'esclavagisme qui nous a vendu, eh bien, on va retomber dans l'esclavagisme si nous ne nous réveillons pas. Mais comment nous réveiller? Ça, c'est une autre question. Voilà, je vous dis, l'intérêt que j'ai aujourd'hui, c'est de vous dire où, que ce soit là ou ici, nous sommes logés à la même enseigne. On ne sait pas ce que nous avons à faire. Est-ce qu'il faut continuer à suivre ou il faut avoir une curiosité pour créer à partir de ce que nous avons comme particularité, notre mode de vie, de sorte à pouvoir, comme on le disait, nous ressourcer ou attirer ceux qui peuvent se ressourcer par rapport au projet que nous pouvons faire ensemble. Je pense que le fait de vous parler de cela... Présente, je réponds au nom de Gabriel Marcel Pendacheco, assistant deuxième mandat, IR 80. Je voudrais d'abord chercher à revenir sur ce que le professeur Mayaka venait de dire. Il avait le souci de pouvoir éclairer la philosophie cachée dans vous en disant que ça demandait de moyens. On s'est dit, est-ce que le transhumanisme demeurera un phénomène comme l'effet la poule qui demeure une question éternelle? Puisqu'on s'est dit, si quelqu'un voudrait faire des autres comme des machines, c'est à la machine de se fabriquer ou au fabricant de pouvoir faire la machine selon son vouloir. Et nous rentrons aussi quelque part. Et il est connu que les automates, les hommes robots ont des limites. Un robot, il travaille en fonction d'un programme bien établi dans lui. Il ne sait pas innover, il ne sait pas créer, il ne sait pas créer, déceler les erreurs. Mais par rapport à nous qui sommes des chercheurs, nous qui sommes vos disciples, on s'est dit actuellement comme on est là, s'il faudrait à ce que dans cette magie-là, dans cet occultisme, ce qu'on appelle... Bon, l'occultisme, c'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. Quand je suis incapable de faire quoi que ce soit, et vous le faites à ma place, ça dépasse mon entendement, ça devient occulte. Je me dis, est-ce que pour les scientifiques que nous sommes, pour emboîter vos pas, et pour que nous soyons réellement cooptés et par vous, il faudra que nous soyons, que nous devenions comme les automates? Ce n'est pas une erreur dans les jours à venir, puisqu'on sera plus faire de nous-mêmes. On se référera toujours à ce que le maître a dit. Ce que le maître n'a pas dit par rapport à l'évolution du monde. Aujourd'hui, je vous remercie. Je voudrais que vous me... Merci. Moi, je m'appelle Dieudonné Muzaliwa, assistant deuxième mandat UR91. Monsieur le professeur, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre intervention. Le bon projet, selon les gens du développement, ils disent que le bon projet, c'est un projet qui doit être consommable par son auteur ou ses auteurs. Bon, j'ai pensé à un auteur qui disait que le processus de l'humanisme, c'est un processus irréversible, c'est-à-dire de la naissance vers la jeunesse, de la jeunesse vers la vieillesse, de la vieillesse vers la mort. Alors que votre projet ici vise à tuer la mort. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir. C'est quelle mort dont vous faites mention? C'est la mort physique? C'est la mort intellectuelle ou la mort instrumentale? Si c'est la mort physique, êtes-vous vraiment sûr que vous allez échapper à ce processus? Parce que je suis en train de vous observer. Vous êtes quitté de la naissance vers la jeunesse, de la jeunesse vers la vieillesse. Maintenant, là, ça reste peut-être une seule étape. Êtes-vous réellement sûr que vous allez échapper à ce processus? Et si ce n'est pas cela, comment nous pouvons être convaincus que votre projet sera consommé par notre société? Merci. Merci. Le dernier. Merci pour la parole. C'est M. Kamambo Robert, chef des travaux à l'UPN.
et auditeur à l'IFASIC en sciences de l'information et de la communication. Monsieur le professeur, j'ai été intéressé par votre exposé et j'ai juste trois questions à vous poser. Voici la première. Dieu est le sage par excellence. Il a créé le froid et le chaud. Il a créé la femme, il a créé l'homme. L'homme, on le sait, il est fort, musculé, et la femme est douce. C'est pour qu'il y ait un contraste entre les deux. C'est pour qu'il y ait équilibre. Et tout ce que Dieu a créé, il y a de l'équilibre. Il y a le court, il y a le long, il y a le gros, il y a le mince, etc. Bon, maintenant, l'homme de l'horizon 45, il pense à l'immortalité. Et l'homme tel que Dieu a créé, il a en lui, il porte en lui des semences héréditaires. Je voudrais savoir, monsieur le professeur, vous qui êtes sage, l'homme de l'horizon 45, là, l'immortel homme, là, est-ce qu'il possédera aussi de traits héréditaires de l'immortalité en lui? C'est-à-dire, va-t-il aussi transmettre à ses enfants l'immortalité qu'il aura fabriquée? C'est un homme dénaturé, un homme déraciné. Je me souviens, ça je passe à la deuxième question, lorsque le président américain George Bush était encore en exercice, merci, les savants ont créé l'homme robotique là, le bébé éprouvette, le génome dont on parle. Et il était contre cette idée-là, parce qu'à partir d'une cellule humaine, on pouvait créer des milliers et des milliers de lettres du genre humain. Mais il s'est opposé. Maintenant, ma question est la suivante. Nos chefs d'État, nos gouvernants, sont au courant, à travers bien sûr leurs services de sécurité, ils sont au courant de ce projet macabre, tu dois dire ainsi. Quelle est la lecture qu'ils font de cette position que prend l'essor technologique? Je dis et je vous remercie. Merci. Monsieur le conférencier, j'aimerais personnellement que vous ajoutiez à la fin la problématique du clonage. Est-ce que le clonage n'est pas un aspect du transhumanisme? Et d'abord, cher ami, ce n'est pas mon projet. Donc, je m'écarte, ça, ce n'est pas mon projet. Je vous fais participer à ce qui se fait dans le monde. Chez les Européens, chez les Américains, chez les Japonais, en un mot, chez les Blancs. Je lis, ça me pose des problèmes, j'expose le problème pour que ce que vous dites puisse m'intéresser aussi, et non pas suivre seulement, mais peut-être contester ce que je vois. Et cela, notre humanité, c'est de pouvoir au moins dire là, pour moi, ce n'est pas ça. Peut-être il faudrait faire ceci, donc ce n'est pas mon projet. C'est le projet des autres que je peux faire mon projet, dont je peux prendre ce qui me plaît. Par exemple, si je suis malade, si j'ai une cataracte, que je demande un implant et qu'on mette et que je vois clairement. Mais ce n'est pas mon projet. J'ai subi ou j'accepte ce projet-là qui nous est proposé. Je reviens, puisque je parle de l'implant, chez le professeur. Le clonage, ça fait partie effectivement de recherches transhumanistes. Le clonage, c'est quoi? C'est, vous prenez une cellule, c'est un peu comme la transplantation des arbres. Vous prenez et vous allez planter quelque part et ça pousse, ça reste toujours le même arbre. Ou tu peux prendre un arbre, vous pouvez prendre un arbre différent, vous allez mettre sur un autre arbre qui n'est pas de la même nature, de la même espèce, et ça va pousser, il y a d'autres, ça ne va pas pousser. C'est la recherche de quelque chose d'insolite. C'est ça le clonage. Donc ça entre dans le même projet. Vous me dites, Dieu a créé et ce qu'il a créé, c'est libre. C'est vraiment l'équilibre. Mais le transhumanisme, est-ce que comment on va transmettre, comment faire la transmission entre un transhumaniste? Qu'est-ce qu'il va transmettre à son enfant?
bébé, son enfant, vous savez de bébé et prophète dont vous parlez, c'est quoi? Ça veut dire on collecte le sperme d'une façon anonyme, on met quelque part. Et ça se fait aujourd'hui. Il y a le projet de procréation assistée par l'ordinateur. Ça se fait. On a des enfants aujourd'hui, déjà en 83, il y a une fille qu'on appelle Amandine, qui doit avoir maintenant plus de 30 ans, qui est son père. Son père, c'est le médecin. Le gynécologue qui a pris ça pour mettre dans l'œuf de la femme qui voulait avoir un enfant. On a mis là. Donc, aujourd'hui, on a des enfants sans père, ou dont les papas sont les médecins. Donc, vous dites, ça c'est un problème éthique que vous posez, mais nos politiques, pourquoi ils ne pensent pas à ça? Ben, ceux qui m'écoutent ici, qui sont des chercheurs, ils peuvent être des politiques demain. Ce qu'on donne, c'est l'information. J'enseigne le sens de l'information et de la communication. Et ces sciences-là, ça a posé des problèmes depuis le rêve de Descartes et le rêve pratique d'Auguste Comte. Et celui qui va répondre à ça, c'est le créateur de la cybernétique, Norbert Wiener, ou Wiener. Et on a la cybernétique qui a continué. Aujourd'hui, on est dans un système électronique. On est dans le numérique, ce qu'on appelle numérisation, où 1 c'est 1, 2 c'est 2. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous prenez votre téléphone et vous faites le numéro de votre correspondant, si vous vous trompez d'un seul chiffre, vous n'avez pas votre correspondant. Donc vous voyez, c'est ça qui pousse à la particularité du transhumanisme. Ils veulent aller jusqu'au bout, jusqu'à pouvoir enlever le cerveau, mettre un autre cerveau. Mais le problème que je me pose et que j'aime aussi vous poser, c'est que lorsqu'on va mettre le cerveau et les organes qui sont à la perfection, qui vont sans se tromper, un peu comme vous voyez, je ne sais pas si vous n'avez pas suivi l'échec, le champion en échec, un homme contre une machine. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour battre la machine. Non. Bonjour, je m'appelle Roméo. Je suis heureux de passer sur universscience.tv. Je suis la plateforme de recherche d'Aldébaran Robotics.